Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la création de mon obstacle que vous avez été très nombreux à me demander, que ce soit sur Instagram ou sur mes précédentes vidéos. Vous avez été très nombreux à vouloir la seconde partie et du coup la voici. Elle a vraiment mis du temps à arriver, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu faire les choses à moitié avec mon papa, car oui, mon papa m'a aidé à la construction de l'obstacle, même beaucoup aidé, et il a voulu vraiment être dans les détails. On voulait vraiment se rapprocher du modèle que je vous avais présenté dans la précédente vidéo, et actuellement le résultat est vraiment magnifique. J'en suis plus que fière et je remercie beaucoup mon papa, car sans lui le résultat ne serait pas le même, je pense. Et voilà, je suis super contente du rendu, il est vraiment magnifique. Et du coup aujourd'hui on est là pour la seconde partie, pour vous présenter comment on a fabriqué les chandeliers. Je ne vais pas parler plus longtemps car la vidéo risque de durer un petit moment, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. C'est parti! Pour la création des chandeliers et des décors qui nous ont pris pas mal de temps, nous avons tout d'abord commencé avec mon papa par créer les chandeliers en eux-mêmes. Et pour ce faire, nous avons acheté 3 poteaux, 2 petits et un plus grand, où nous avons tracé différents traits pour couper les différents morceaux, soit 4 moyens et 2 petits pour les pieds et 2 grands pour les hauteurs du chandelier, que nous avons découpé avec une scie électrique, mais ça j'ai laissé faire mon papa parce que je n'avais pas réellement confiance en la machine. Puis nous avons pris les 4 moyens pour couper les extrémités en pointe pour donner un rendu beaucoup plus esthétique. Et toujours avec les 4 morceaux moyens, j'ai pris un mètre afin de faire les points où nous allons percer des trous afin de pouvoir passer des vis pour attacher chaque morceau entre eux. Et sur un des deux côtés moyens, nous avons fait des croix qui ne sont pas dans le même axe pour éviter que les vis qui vont tenir le petit morceau et le tout grand morceau se percutent. Nous avons ensuite pris une perceuse avec un petit foret pour commencer à percer les trous sur les morceaux moyens et placer le petit morceau afin de préparer le trou pour faciliter le vissage. Et un foret beaucoup plus gros pour percer le trou qui va permettre de passer la vis pour faire tenir le grand morceau de la hauteur du chandelier. Les vis possédant des petits boulons afin de permettre qu'elles ne rentrent pas entièrement dans le bois, nous avons percé des petits trous afin de pouvoir placer le petit boulon pour ne pas qu'il crée un déséquilibre sur le chandelier. Nous avons donc 2 morceaux moyens avec 2 vis et 2 morceaux moyens avec une seule vis. La prochaine étape a été du coup de visser pour faire tenir les différents morceaux entre eux. Une fois les 2 chandeliers montés, nous les avons suspendus pour commencer la peinture. Et voulant rester dans le thème de mon obstacle, je les ai bien sûr peints en blanc. Bien évidemment, j'ai fait 2 couches de peinture. Nous avons ensuite créé les supports de barre avec une barre
en bois où nous avons tracé les différents morceaux qui seront en biais afin qu'ils soutiennent la barre ronde que nous avons de nouveau découpée avec la scie électrique. Nous avons ensuite percé des petits trous afin que lorsque nous allons mettre des pointes pour les faire tenir, les morceaux ne se cassent pas. Et j'ai tracé les traits là où je voulais que chaque support se mette. Et une fois placé, nous avons bien sûr pris les petites pointes pour faire tenir chaque support. Que j'ai ensuite peint en blanc. En attendant que ça sèche, j'ai commencé les décors grâce à deux plaques en bois. J'ai ensuite placé un morceau de tapisserie pour pouvoir faire tout d'abord le patron de ma licorne. Et à l'aide du coup de mon modèle et de mes petites mains, j'ai commencé à dessiner la licorne. Ça a été une étape assez compliquée car je voulais vraiment que ça reprenne bien le dessin et qu'il y ait une réelle ressemblance. Une fois dessiné, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai découpé le dessin avec le contour et le contour seul. Puis avec le contour que j'ai attaché avec du scotch sur une des plaques, j'ai du coup commencé à tracer tout le contour pour qu'on puisse découper par la suite. Et avec la scie sauteuse, nous avons découpé tout le contour. Encore une fois, c'est mon papa qui s'en est chargé parce que j'avais réellement peur de faire n'importe quoi avec ce genre de machine. Et une fois la première plaque coupée, je l'ai placée sur la deuxième afin de faire le contour pour qu'elles soient identiques toutes les deux. Nous les avons ensuite attachées pour également passer à la peinture et encore et toujours, je les ai peintes en blanc. En attendant que les deux couches de peinture sèchent, nous avons créé des rainures à l'aide de baguettes d'angle afin de pouvoir emboîter les décors sur les deux chandeliers. Donc on a découpé deux grands morceaux pour la hauteur et deux petits morceaux pour le petit morceau du pied du chandelier. Et à l'aide d'un morceau des plaques, nous avons placé les baguettes. Que nous avons ensuite accroché avec à l'aide de petites pointes.
fois fait, encore et toujours la même étape, la peinture blanche. Je suis ensuite revenue sur mes décors et à l'aide de mon patron, j'ai commencé à dessiner ma licorne. C'est une étape qui est assez longue car il faut faire très attention car il y a déjà la peinture blanche. Du coup, j'ai pris mon temps pour faire les tracés. Pour le faire sur l'autre décor, j'ai simplement retourné mon patron. J'ai ensuite découpé les différents morceaux comme les nuages, la crinière, pour pouvoir faire les mêmes dessins sur les deux décors. Et vint l'étape la plus longue qui est la peinture. Nous avons ensuite peint chaque petit endroit d'une couleur différente, mais nous avons dû à chaque fois attendre que la peinture sèche pour ne pas que les couleurs se mélangent. J'ai vraiment voulu reprendre les mêmes couleurs que le modèle de la licorne car je trouvais que les couleurs étaient super mignonnes. Mais après, j'ai plus ou moins fait selon ma sauce en donnant des couleurs soit beaucoup plus flash ou beaucoup plus pastel. Mais voilà, ça reste vraiment dans les mêmes couleurs que le modèle. Une fois la peinture sèche, nous avons ensuite, à l'aide d'un marqueur, fait les contours du dessin. Encore une étape très délicate, c'est pour ça que je l'ai laissé à mon papa qui est beaucoup plus précis que moi. Et le marqueur va vraiment donner le rendu final de la licorne, un rendu vraiment beaucoup plus propre. Et après une petite couche de vernis pour protéger la couleur, voici le résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez fabriqué l'obstacle, n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre résultat sur les réseaux. Et bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de faire les licornes en décor, vous pouvez vraiment faire n'importe quel dessin, vraiment ce qui vous plaît. Mais franchement, moi les licornes m'avaient fait beaucoup de l'œil, du coup voilà, c'était sûr que j'allais les faire. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaît. Moi franchement, j'en suis plus que fière, je remercie encore une fois beaucoup mon papa. Et sinon, il me restait plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.